J'ai commencé, je me suis installé le 1er septembre 1982. Déjà, un bon cordonnier, c'est le savoir-faire. On a une multifonction, je veux dire, les clés, des gravures et l'accueil. Je crois que les deux choses, nous, c'est l'accueil. On aime les gens et ça, c'est vachement important. Non, j'ai déjà un magasin dans la galerie de Carrefour et l'opportunité s'est présentée de reprendre l'activité justement pour ne pas la laisser mourir. Ouais, c'est un grand bonheur. Comme les pros, c'est de la visite d'entreprise, donc c'est pour valoriser les savoir-faire locaux. Il y a 56 entreprises de la vallée de l'Arve et de ses environs qui ouvrent leurs portes au grand public pour la première fois, gratuitement. Quel est le principe ? Alors le principe, il est simple. Les visiteurs qui souhaitent découvrir chaque entreprise a l'occasion de s'inscrire au préalable auprès de Fossinglière Tourisme ou l'Office de Tourisme de Cluz-Arvée-Montagne. Donc c'est vraiment une source pour nous de motivation et de sensibilisation de l'ensemble du public parce qu'on a besoin de recruter, on a besoin de faire comprendre que nos métiers sont valorisants et que c'est des métiers d'avenir. Sur Cluz, on est présent depuis de nombreuses années, mais avec un magasin qui était un petit peu vieillissant, qui ne correspondait plus à l'image de l'entreprise idole aujourd'hui. On a donc voulu se transférer sur un point de vente plus moderne, qui ici fait 1000 mètres carrés, mais qui peut demain être agrandi sur 1700 mètres carrés. Et avec le dernier cri en termes matériel et une démarche forte d'engagement envers tout ce qui est la partie environnementale avec le recyclage par exemple, et également d'extérieur avec un parking aux normes environnementales et plein d'autres nouveautés qu'on a mis dans ce nouveau magasin. Cette ouverture sera une grande réussite pour nos clients et également pour nos salariés qui sont beaucoup investis dans l'ouverture du magasin.